et bienvenue dans ce 9e épisode de Total War Warhammer 2 avec Alariel, toujours sur la carte du Vortex, où nous étions donc restés au dernier épisode avec notre rituel qu'on avait lancé. Et donc du coup, on avait deux armées du chaos ici, donc une qui était sur Thorakar, Achar, qui est défendue par une garnison tout à fait correcte avec notre armée, donc là il devrait pas y avoir de problème pour qu'on puisse la défendre, et puis une deuxième armée ici. Donc une deuxième armée ici, on va reculer un poil avec Alariel. On va remettre celle-là là. On va attendre parce que du coup j'ai peur que... On va venir ici. En fait il y a une troisième armée que j'avais pas vue qui est ici, cette petite coquine qui s'est faufoulée, qui va essayer de passer par derrière. Donc je vous rappelle que pour que mon rituel qui dure 7 tours soit achevé, soit maintenu, et que je le réussisse, il faut que mes trois villes qui soient reliées là, donc l'Adobe Éternel, le Val de Gaën et Thor Achar, donc qui relient donc directement au Vortex, soient en vie à la fin des 7 tours. Donc si je m'en fais prendre une maintenant, c'est pas très grave. Par contre, il faut seulement que je leur reprenne avant d'avoir terminé mon rituel. Donc de toute façon, on va passer le tour. On attendait aussi d'avoir un peu de thunes à l'hôtel de Kane pour pouvoir faire le nécessaire. Alors là, l'auterne qui a déclaré la guerre au scaling. Exoal qui a terminé son rituel. Ok. Là, c'est pas mal. Donc Eo Exalt qui a commencé son deuxième rituel, ok. Donc on est toujours là, donc on va prendre, bien entendu, on va attaquer. On va la faire en auto. Hein. On n'a pas trop le temps, enfin, on n'a rien perdu. On va toujours prendre l'XP. Et on dégage. On va protéger la Dobe Éternelle. On a 6000 de thunes, on va pouvoir construire l'hôtel de Kane du coup au niveau 3. Hop, on va y arriver. Donc c'est 3700 de thunes. On va passer ça au niveau 2 aussi, histoire d'avoir une bonne garnison ici. Et ici on va attendre l'attaque, leur attaque. On est ok là-dessus, on a pris un niveau. Donc le niveau on va le donner comme ça. On va passer le tour. Pas grand chose à faire, on a que 1200 de thunes. Ivresse a été détruite, rasée de la carte. Ok. Et Lyrion toujours trop fort qu'on puisse le confédérer. On va retenter de toute façon, quoi qu'il arrive encore. Hein. Peut-être qu'il y a un moment où ils accepteront. Une armée scaling qui est là. Loyalty is rewarded. Ok, donc dans deux tours on est à la Dobe. Où ils en sont eux? Ils devraient pas tarder. Est-ce qu'ils ont pris la mer? Ils sont où? Ouais, c'est moi où ils ont disparu? Truc que j'ai pas bien compris là. Où est passée la troisième armée qu'on avait vue juste avant? J'en sais rien. Elle a pas pu se faire détruire comme ça. Hein. Bon bah écoutez, dans le doute on va quand même descendre. Alors après peut-être qu'avec le vortex, je vois pas, elle est pas loin du vortex, non? Ouais, je suis censé la voir normalement. Est-ce que je peux voir? Non, je peux pas voir ici. Ils étaient là, il y a encore de la corruption derrière.
pas normal que je la vois plus. Bon. On va attendre, des fois ils vont revenir. Hein. Je sais pas trop. On va retenter la conf avec eux. Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Là, de toute façon, on a, à la limite, ouais, non, j'ai pas assez de thunes pour ça. On va du coup donner les niveaux à cette demoiselle. On va lui donner ça. On va passer le tour. On va peut-être les voir apparaître, hein, du coup. J'espère qu'ils sont quand même là. Je vois pas ce qui aurait pu se passer. Une armée du chaos, ça disparaît pas comme ça. Oh, putain, elle doit être cachée quelque part, c'est pas possible. Ah, la voilà. On sait pas où elle était passée, mais elle est là. Elle est là, prête à débarquer sur la Dobe éternelle. Allez, on a bien fait de se rapatrier, on est à presque un tour près. Je me suis dit, bizarre. Ok, on a toujours 1200 de thunes par tour, c'est pas grand chose. On a toujours le bonus là qui nous. On a toujours ce bonus là qui nous booste l'ordre public à fond, donc on est bien. On attend toujours de ce côté là. Là, on a assez de thunes pour commencer ça. Et ça me donne ça me donne déjà la garnison. Donc là, il va y avoir une grosse garnison dans quelques tours ici. Et je pense que l'hôtel de Kane sera sécure. Et ben on va continuer, on passe hein. On passe. Elysiac est toujours dans les mains des scaling. J'ai peur quand même parce que du coup je les vois qu'ils se rapprochent beaucoup. Ah bah voilà, il suffisait que je dise ça. Mais c'est pas mal parce que du coup si ça affaiblit, à long terme ça l'affaiblira pas. Mais si ça peut me permettre de les affaiblir à l'instant T, ça peut être très très bien. On a défenseur d'Ultuan. Ah, il nous attaque. Donc l'équipe des forces est assez... on va la faire, hein, de toute façon. Hein. On va la faire. Donc, comme je disais, ça devrait relativement bien se passer. Puisqu'on a quand même en tout six le lion blanc. Qui sont des unités de tier 2 qui sont tout à fait correctes. Hein. Bonne attaque en mêlée, alors une dépense un poil faible, mais une bonne armure. Un très bon commandement, une puissance de charge correcte. Et puis elles sont en armure et elles percent armure. Elles ont la cape du lion aussi. Qui, je vous rappelle, du coup, la cape du lion, je l'avais fait dans une dernière vidéo. Je crois que c'était quelque chose qui dévie les flèches. Je sais pas si on peut le revoir, non, on peut pas le revoir pour l'instant. Ils sont quand même beaucoup, hein, ces enfoirés. Il doit avoir une masse de tours de siège. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de buter leur cavalerie, déjà. Oh, ils en ont que deux. Ça va, en fait. Hein. Donc, les lions blancs, ils ont donc cap du lion, la fourrure d'une pasine. Elle protège également contre les attaques des projectiles. Voilà, donc c'est non négligeable. Donc, vous, ça sert à rien que vous vous mettiez là. Je veux toutes mes unités d'archerie ici. Toute mise d'archerie ici parce que là c'est là où il va y avoir le plus grand du grabuge. Donc vous allez plutôt venir ici. Alors enfin non, vous allez quand même rester par là. Vous allez rester par là finalement. C'est vous qui allez peut-être éventuellement reculer. Parce que en fait mes lions il faut que je les mette là, parce que c'est là que ça va débarquer. Donc il faut que je mette limite 4 unités de lions ici. Et puis les deux autres, je les mets là au cas où si ça prend les échelles. Nos balistes, on va les mettre le plus loin possible. Le problème, c'est que il faut trouver un endroit où elles puissent tirer. J'espère que ça soit un peu loin ici. On va les mettre là. J'espère qu'elles vont pouvoir tirer quand même malgré le bâtiment là. Normalement, elles devraient pouvoir. J'ai encore des archers ici. C'est pareil, c'est pas une très bonne carte hein, parce que du coup. Quoique si ça. Voilà,
Ils peuvent se mettre là, du coup, est-ce qu'ils ont la portée? Normalement, ils devraient avoir la portée pour tirer sur. Voilà, nickel. Ils ont une grosse portée, eux. Donc, on va les laisser comme ça. Vous, vous restez effectivement ici pour protéger. Toi, pareil, tu restes là. Toi, tu vas rester aussi ici. La cavalerie, au cas où. Je pense pas que ça pète par là. La cavalerie, tu vas rester aussi ici. Ici on a une unité de lanciers, on va la mettre ici pour protéger un peu la porte encore. On sera jamais à trop de 3 unités de lanciers. Et il nous en reste encore 2 unités de lanciers. On va les mettre là, pour l'instant. Après il y a du guerrier et du maraudeur, ça ferait pas mal d'avoir une petite unité d'archer ici. Ouais non, ça devrait quand même tenir là. Hein. On les fera assister après par la suite. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est eux. Ah, j'ai pas de porte de ce côté-ci, j'ai une porte. Je vais attendre et je vais les faire charger. Allez! Vous sortez. Nickel. Vous avez la range jusque-là. Allez, vous me tirez là-dessus. Toi, tu me tires là-dessus. Va falloir que les... Là, c'est quoi? C'est les chiens de guerre. Okay. Voilà, vous me butez les guerriers. Les tours. Voilà, vous les tours, vous me perdez pas votre temps à m'attaquer ça, vous allez m'attaquer ça, ça. J'aurais peut-être dû en mettre un aussi de ce côté-là. Allez, c'est bien. Ok, ici. Allez, on les affaiblit le plus possible. Ça, c'est quoi? Taux de chargement, on n'a pas de magie, je crois. Hein. Ni avec l'un, ni avec l'autre, non. Allez, c'est bien. On va ruiner une unité de maraudeur. On va ruiner la deuxième. Ok, continuez pas, vous changez de cible. Vous me niquez les cavaliers maraudeurs à armes de G. Allez. Tous sur les cavaliers maraudeurs à armes de G, eux ils vont partir vite. Ça c'est des lions blancs. Ok, donc là ça va commencer à monter. Allez, vous là-dessus. Donc là ça commence. Vous mettez-vous là-dessus. Ok, là ça tire. Ah, les balises c'est compliqué hein, pour vous, je sais. Donc là on en a fait fuir deux, c'est nickel. Allez, on continue sur les guerriers du chaos avec Halbard. Vous, vous restez là. Vous aussi, vous restez là. Ça commence à monter. Pour l'instant ça va. Quand même pas mal affaibli de ce côté là, là ça commence, ça tient. Là ça va partir. Ok, vous dégagez, pas besoin de vous. Ça c'est quoi? C'est de l'anti-large? Non, c'est du guerrier du chaos classique. Venez mettre une charge dessus. Toutes les tours, vous me bousillez ça. Pareil, tu me bousilles ça. Pareil, tu me bousilles ça. On a explosé ça, on est en train de prendre cher. J'ai mis toutes les tours là-dessus, à la limite. Niquez ça. Allez, avant qu'ils rentrent dans les tours. Voilà, vous m'en butez bien, c'est bien. Faites une belle petite charge. Vous, allez m'assister de ce côté-là. Allez, vous, tous ici. Ouais, vous avez servi pas trop à grand chose. De toute façon, je vous ai même pas mis en mode projectile comme ça. Vous restez comme ça. Alors vous allez changer de cible, vous allez m'assister de ce côté-là. Je vais avoir besoin de vous. Allez, là ça tient. Où sont mes deuxièmes cavaliers? Là j'ai ma première, ma deuxième est là. Ok, allez. On dégage, tu vas venir porter assistance. Sur les chiens de guerre là. Vous allez échanger, faire un petit échange là.
Elle a mis de fuyer, tant pis. Vous êtes où? Partez en retraite, je peux pas vous mettre. Je sais pas. À la limite, revenez en fait, vous. Hein. Vous savez pas trop grand chose. Là, ça a l'air de tenir. On se fait assister par les archers de ce côté-là. Les lions blancs tiennent bien. Les archers aussi. Là, les lions blancs encore. Vous continuez là-dessus. Vous, pareil. Ici, on a l'air d'avoir gagné. Là aussi. Du coup, ouais, tous là-dessus, les gars. Vous me les faites partir en déroute. Voilà, vous m'en explosez quelques-uns. Allez, tous là-dessus. Maintenant. On a gagné ce front-là. Maintenant, vous m'assistez de ce côté. Allez, vous rentrez, vous. Voilà, ça part de partout. Allez, on accélère, on continue le plus possible à les buter. Plus on en bute, mieux c'est. Vous allez être très utile, du coup. Vous allez me buter tout ce qui fuit. Bon, bah, c'était une belle bataille défensive. Allez, c'est bien. Vous me foncez là-dedans. Allez, 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 hop. Faut m'en buter le maximum. Comme ça, après, on peut sortir de la ville et les finir. Alors, on pouvait pas la perdre, hein. C'était quand même très compliqué de la perdre. Parfait. Parfait, parfait, on va terminer là, cette bataille. Donc dans notre armée principale, les lions blancs ont très très bien tenu face aux guerriers du chaos, hein, vous l'avez vu. Je vous l'ai dit, c'était une très bonne unité. Pour tenir tête quand même à des guerriers du chaos, faut le faire. Même s'ils ont été bien assistés. Oh, il y avait normalement deux lions de crasse pour une unité de... On était quand même en surnombre hein, de partout, donc c'était bien notre cavalerie qui ont explosé le canon Apocalypse, qui avait quand même fait 32 morts, hein. C'est l'unité la plus performante chez eux, hormis ces guerriers du chaos là. Donc l'expérience ici, ça va pas trop nous servir. On voit aussi ici que pareil, hein, les lions blancs ici ont fait un gros taf dans la garnison. Et puis les têtes d'archers hein, sur la garnison là, gros gros taf. On va pas prendre l'XP, on va prendre la thune. Comme je vous dis, à part les lions blancs, on va pas garder grand chose dans ces armées là. Ils vont retenter un assaut, mais bon, on va les renvoyer chez eux. Donc Ultuanuni. On a donc du coup les bonus maximum, donc ordre public plus 1 en augmentation, revenus générés par tous les bâtiments plus 2%, relations diplomatiques plus 5 avec les elfes, commandement plus 1, croissance plus 1, et c'est que les premiers paliers puisqu'on est qu'à 72%. Donc c'est parfait. Toi, tu vas dégager de mes terres tout de suite. T'es en mode marche en plus. On va la faire. On va la faire parce que... On va la faire parce que du coup, on n'a pas vu nos sœurs d'Averlon, mine de rien. Il y a encore un canon du chaos, un canon apocalypse, pardon. Donc on va envoyer nos cavaleries dessus. Donc là, on a une armée relativement haut tiers. Hein. Enfin, tiers 2, full tiers 2 d'ailleurs. Puisque du coup, on a les lions blancs de crasse tiers 2. Alors ça, c'est plutôt du tiers 3 même. On a ça, c'est du tiers 2, du tiers 2, du tiers 2. Et du tiers 1,5. Mais bon, les sœurs d'Averlord, vous allez voir qu'elles vont faire un travail immense. Et puis là, je veux pas de quartier, hein, parce que du coup, ils nous ont empêchés de nous développer assez rapidement. Donc, on va se positionner. Bien entendu, comme d'habitude, ça, groupe 1. On enlève le mode escarmouche, bien entendu. On reste même en mode garde. On va passer ça, groupe 2, on va s'écarter au maximum. Parce que du coup, il y a un canon derrière. Je vous rappelle le mode, hein, Brutal Battle, qui vous permet de pouvoir écarter vos troupes comme ça. Regardez-moi ça. Ça vous permet d'avoir des belles lignes d'archerie.
Et des belles batailles en fait, hein, où les, justement les troupes arrêtent de se toucher un peu la nouille parce que du coup c'est ce qui se passait. Groupe 3 ici, j'ai pas fait mon groupe 2, donc groupe 2, ça sera notre frontline, groupe 1 pardon, notre frontline, on les verrouille, on les garde. Le groupe 2, on enlève le mode escarmouche également, et le groupe 4 habituellement c'est notre cavalerie. Les cavaliers maraudeurs à H2G ici et ici, des rejetons. Ok, donc on va les foutre là. Toujours avec pour habitude d'aller contourner. Et ici, donc du coup, on a notre Alariel qui va rester un peu en retrait parce qu'elle a plus l'épée de Kane, donc elle va plus faire la fofolle. Toi, tu vas rester aussi derrière, tu vas me focus l'euro ennemi et toi, tu vas rester devant. Allez, on est à 22. Commandement, on n'en a pas besoin. On va s'approcher parce qu'ils vont encore nous faire leur mouvement bizarre. Par contre, hop. Ils ont des rejetons aussi, il va falloir faire gaffe. Donc dès que eux ont la portée, ça va commencer à canarder. Je sais pas si ça marche, les résistances aux projectiles. Canon apocalypse, on va voir. Ah bah pas de chance, je l'ai mis sur le centre et ça tire à gauche. Bon, ça a loupé. Allez, ici. Ok. Allez. Groupe 2, vous allez m'exploser les rejetons, là. Groupe 1, vous me foncez dans tout ça. Pareil, sur les rejetons. C'est le pire, hein. Vous allez voir, ça va partir assez rapidement. Le groupe 3, on verrouille et on y va. Et on y va. Toi, un petit vortex ici. Je sais pas s'il va être bien envoyé. Nickel. Nickel, il a touché. Toi, tu vas me buter le héros ennemi, le sorcier là. Allez, et toi, t'y vas, on est parti. Allez, on va se heal ici. Les sœurs de l'Ariel là, je sais pas pourquoi vous allez au cac là, dégagez. Vous allez passer en mode mêlée, vous allez me buter les chiens de guerre. Toi tu vas me booster ça. Tu vas me booster ça. Tu vas augmenter tes réserves. Ok les sœurs, maintenant c'est sur les guerriers du chaos. Allez go. Voilà, c'est comme ça que je vous veux. Ruinez-moi tout ça. Vous revenez, vous faites une charge ici, une charge là. Vous allez me buter ça. Ok, vous sur les chiens. Parfait. Allez, nickel. On les a eu par derrière. Hop, on prend ça. Toi, tu continues à focus lui. Pas beaucoup de dégâts quand même. Hein. Toi, tu vas changer, tu vas prendre là-dessus. Là, on va. Un petit coup de heal là. Il y en a bien besoin. On va booster encore une unité ici. Les murs. Ici, on a fait ce qu'il fallait. On change. On prend toutes nos archeries. On les met ici. On va même les faire focus comme ça, comme ça. Groupe 1, vous allez tous focus les lanciers. Voilà, là, ça part en cacahuète de tir, là. Ah, bon. On prend un petit sort de ce côté-là. On peut pas se régénérer, on peut rien faire. Et c'est la victoire. Allez, vous me les butez tous, là. Notre cavalerie, elle est ouf. Elle a pris un peu. Allez, la cavalerie, j'en veux une, là. Et une ici. Ouais, c'est des cavaliers maraudeurs, laissez tomber. Butez-moi tout ça, de toute façon, il devrait pas rester grand chose normalement. Voilà, ça c'est bien joué. Notre noble qui a terrassé le héros ennemi. Vous allez continuer à péter les guerriers du chaos. Voilà. Ouais, même pas besoin. Parfait!
On a tué tout ce qu'on avait pu. Ah, et les cercles ont fait un gros taf, hein, vous le voyez vous-même. Pareil pour les gardes maritimes. La première salve, en fait, elle est immense parce que du coup, vous avez l'archerie qui tire en deuxième ligne, votre frontline qui tire aussi. Et du coup, comme il n'y a pas d'archi, du coup, vous pouvez même laisser votre frontline tirer et du coup, votre troisième ligne, c'est-à-dire les troupes qui craignent les unités d'archerie, les faire même passer en première ligne pour aller directement tabasser un peu tout le monde. Et vous avez du coup des unités d'archerie. Enfin, vous avez. Je sais pas, 8 unités de tir. C'est même limite un poil trop. Mais vous avez vu, ça fait des ravages. Même vous pouvez mettre les lémures en tank, hein, c'est une super unité de tank aussi les lémures. Vous pouvez les mettre en frontline. Moi je les mets en backline, mais. On va encore prendre la thune. Ou l'XP. Peut-être pas mal l'XP aussi. Ça peut être pas mal l'XP. Elle est passée en 16, plutôt son aigle. On va lui prendre l'XP ou pas l'XP alors? La thune on a assez, on va prendre de l'XP. Ok, on a buté le chaos. On a déverrouillé ses unités de renom. Ok, on va se remettre en mode marche, on va se remettre à la dob. On sait jamais, parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure non plus, mais sachez que dans le mode Vortex, quand vous connaissez une faction qui fait un rituel, par exemple là, vous voyez, je clique dessus sur Exoalt, je peux pour 2000 de thunes envoyer une intervention. Une force d'intervention, donc là 10 000 ça sera des unités d'élite, hein, 5 000 des unités de tier 2 généralement, et ça des unités de tier 1, pour les empêcher de le faire. Donc là je vais pas le faire parce que pour l'instant je m'en fous un peu, mais il va falloir que je l'utilise. Parce qu'il y a un moment où par exemple, bon là j'ai pas assez de thunes, je préfère me développer et sécuriser cette province là, et une fois que je serai tranquille et que j'aurai un peu de thunes, là on commencera à balancer au moins des interventions déterminées, c'est-à-dire de tier 2, qui généralement, alors il faut les envoyer, là il reste 6 tours, généralement dans les 2 derniers tours, 2-3 derniers tours. Enfin, 3 derniers tours, c'est parfait parce que du coup, ça vous permet en fait à votre armée d'intervention de pop de prendre la ville d'assaut pendant 2 tours et le dernier tour de la buter et ils n'ont pas le temps d'aller la récupérer. Donc, au moins à tour moins 5. La tour 6, c'est un peu trop parce que c'est-à-dire que si j'envoie mon armée d'intervention, dans le doute déjà, il faut qu'il y ait une des 3 villes qui soit libre. S'il y a une des 3 villes qui est libre, il faut que je la prenne. Et une fois que je l'ai prise, ils peuvent aller la récupérer, comme je vous l'ai dit, avant le tour 0. Donc, ce que je vous invite à faire quand vous faites une campagne du Vortex, c'est bien attendre que les tours soient inférieurs à 5 pour lancer votre intervention, même voire égal à 4, c'est parfait. Et si vous voulez prendre un peu de marche, 5, c'est bien. Donc voilà. Si c'est un peu un poil long, je sais pas si on le fera, je pense pas. Je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire d'abord. Que d'empêcher le deuxième rituel des hommes lézards. Sincèrement, on a d'autres choses. Prochain niveau, on prendra ça. Prochain niveau, promis, parce que je sais que vous aimez bien les montures. Moi, je suis pas très fan, mais on va le prendre. On va booster notre archerie à fond pour qu'il tire de plus vite possible. Et de toute façon, on va prendre aussi le maître stratège. Donc le maître stratège qui va nous booster les maîtres épéistes qu'on n'a pas encore, mais par contre il va nous booster aussi les lions blancs et les gardes phénix, donc que des unités de haut tiers. Et comme vous savez, j'aime bien sur mon héros légendaire, mettre des compétences pour des unités de haut tiers, puisque ça va être notre armée principale. Notre Nob qui a pris encore 2 niveaux, donc on va lui donner Amosher attaque dévastatrice, donc là on la rend complètement pété. De ce côté-là, on va pouvoir les finir. Donc lui, il a pris un niveau. On va essayer de lui faire notre, on va essayer d'en faire notre deuxième seigneur, lui. Donc plutôt d'unité de base, on l'a dit, pour l'instant. On va lui donner le ralliement et on va lui donner alors force inébranlable. Je pense pas qu'il y a rien de spécial pour l'instant. À la limite aussi les lions blancs de crasse. Je pense que je vais t'en. Ce serait pas bête de l'avoir ça. Après, ça dépend sur quoi je te fais jouer. Si je reste comme ça, à la limite, on va plutôt partir là-dessus. Allez, on les finit. Bon, je vous l'épargne. On prend la thune, on a dit. Toi, tu vas donc du coup prendre ça et ça. Tu vas revenir te mettre ici. Au niveau ordre public, ça a l'air de se stabiliser un poil. Hâteur Achar, on peut passer la garnison de niveau 4, pas trop utilité, par contre on peut prendre ça. On peut prendre ça, et on va prendre ça. Donc, pour recruter des maîtres épéistes de Wet. Notre porte du Phoenix sera récompense à la up aussi, à un moment.
Et là, on devrait être tranquille normalement pendant 3 tours. Alors, hormis du coup, comme je vous disais, si une des factions adverses hein, nous envoie une force d'intervention. Donc, on va rester quand même par là au cas où. Pendant 3 tours, c'est que 3 tours. Déjà, on en a pour 2 tours à se régénérer. Et puis on restera comme ça pour l'instant. Et puis, du coup, là, on peut prendre encore l'ordre public, mais on n'a pas trop besoin pour le moment parce qu'on a toujours le boost. Le taux de reconstruction du victime, une allusion, on n'en a pas besoin non plus. Ça, on aura bientôt besoin parce qu'on va recruter des lions blancs et surtout ça. Mais pour l'instant, il nous faut le bâtiment de niveau 2 au Val de Gaine. Il nous faut celui-là qui est 4006, donc on l'a pas encore. Encore un petit point diplomatique maintenant qu'on a bien repoussé. Alors, les pères de Sartosa, voilà, ils veulent la cale commerciale, on va les faire payer pour ça. Ils ont pas trop de thunes. Ok, on a pris 600 quand même. Ok, Elyrian. Toujours la conf, ils veulent toujours pas. Lauterne, n'en parlons pas. Nagarit, accès militaire, ils sont ok. On va booster encore nos relations avec toi. Et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix, on n'a pas encore découvert. Si on a le culte du plaisir et Argraef. On n'a pas encore découvert Nagarond, ni Exoalt, peut-être pour ça, ni les Skaven d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tranquille au niveau des forces d'intervention, je pense. Thoranlec, il va falloir qu'on lui mette une garnison, ça coûte 3000, donc il faudra attendre encore un peu. Et on va passer le tour. On va passer le tour. Ah, Elyrian qui commence à reprendre du poil de la bête. Ça va être de plus en plus difficile à les confédérer. Ah, pourtant, on a tout testé, hein, sincèrement. Ok, donc là, on a 4000 de thunes. On va du coup construire. Alors, on peut construire ça aussi pour avoir l'épée de Cain. Ouais, on va. 10 tours. 10 tours. Alors, j'ai peur que si on fasse ça, ça déclenche un. Ça déclenche un raid sanglant. Je vais attendre un peu parce qu'il me semble de mémoire que je sais pas si ça déclenche pas un raid sanglant qui va justement venir essayer de me buter. On va augmenter notre garnison, il faudra qu'on booste notre port aussi pour augmenter notre income. Mais la priorité c'est sécuriser. Donc 2 tours. 2 tours pour ça. Là on est bon. On se régène encore ici de ce côté là. On attend de pouvoir construire les maîtres épéistes dans 3 tours. Ça avance. On passe. Lauterne qui continue son expansion, qui va monter du coup à l'est contre les Skavlines. Aïe, Nagarond déclare la guerre à Nagarit. Bon, Nagarond nous a toujours pas découvert. Qu'on attende encore un peu. Il va falloir qu'on les aide, hein, à Tilanar, là, à Nagarit. Ils s'en sortiront pas si on. C'est un peu notre rampe de l'autre continent, donc. Ok, donc ici, on est bon. Toi, t'as pris encore un niveau. Tu vas prendre. Ça et ça. Pour le moment. Et on va aller jusqu'au dernier tour, de toute façon, pour cet épisode du rituel. On va prendre ça. Ça booste encore notre income. Vous avez l'habitude. On est. Ah, ils sont rendus. Nagari, ils sont en 23. Hein. Une alliance défensive, si on peut arriver à avoir Attilanar dans notre armée, ça peut être pas mal. Hein. Je préfère avoir Elyrian. Ah, bah, je suis rouge maintenant avec eux. Je suis rouge. Pour l'instant. Mais on a quand même bien avancé cet épisode. On a même tellement bien avancé qu'on va prendre ça au cas où, si jamais il faut un prochain rituel, au moins il y aura des murs à Tor Sarwa. Et je pense qu'à la Dove Éternelle, on va donner des murs aussi. On va enlever ce bâtiment-là de recrutement de cavalerie, on va le foutre ailleurs. On va le foutre ailleurs. Et on va construire des murs en obligé. Hein. Je peux pas laisser une armée en permanence chaque fois que je fais un rituel ici. Je suis sûr que ça arrive pas mal assez vite, je prends 17 par tour. En mission, j'ai quoi? Influence 50, il faut que je batte la Norska 3 fois, ok. Influence plus 1, si je construis une tour, et plus 2, il faut que j'accomplisse le rituel de la prophétie.
Ouais, il est où le rituel de la prophétie? Ah bah c'est celui-là, je suis bête. Rituel de la prophétie, un tour suivant. Allez, on va jusqu'à la fin du tour. Et on stoppe là. Qu'est-ce que vous voulez, une alliance militaire? Non, rejoindre la guerre contre Arganet, non. Pas pour l'instant. Mais ça va pas tarder, t'inquiète pas. Là, faudrait vraiment qu'on les si on les confédère, on a la moitié du tuel. Ça nous remet à égalité de puissance avec Ah yeah. Moi je me tais pour la vidéo du coup. The wave fragments were gathered, the ritual cast. Arcane power lit Ulfwen skies. Loremaster Telerion, ally of Teglis, was joined by Gallifreyus, squire of Tirion. They would be the prince's eyes as the goddess Isha revealed her prophecy. The Lawmaster and Squire saw the Isle of the Dead wreathed in fire, the vortex gone. Without the vortex, chaos floods the world, with Ulfwen doomed to sink beneath the waves. But the Star Crown of Lilith has the power to restore it. The crown was shattered long ago. If the lost shards are reforged, Ulfwen can be saved. Isha has blessed our agents with one piece of the Star Crown, but four shards remain lost. Telerion suggests invoking the spirits of the Phoenix Kings, for who better than a king to find a crown? The cost is high to cast such rituals. More way fragments are needed. Voilà pour cette petite cinématique, donc comme vous l'avez compris, prophétie qui a été vue, comme quoi du coup le vortex allait exploser, toutes les terres des hauts elfes allaient se retrouver sous l'eau, sauf si jamais on reconstituait la couronne de excusez-moi pour le lore, bref, on a une couronne à reconstituer, donc 4 fragments qui correspondent à 4 rituels. Donc pour chaque rituel, nous allons récupérer un fragment. Et puis à la fin, bah du coup, si on arrive au 4ème rituel, enfin au 5ème plutôt, on aura reconstitué cette couronne qui nous aura permis de sauver le monde. Mais est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, on verra. Alors du coup, il va y avoir pendant des millénaires Dans l'œil perçant du vortex, la silhouette vieille et voûtée de Calédor s'agite. Pendant les milliards de solitude, depuis qu'il a mis le vortex en marche, il a maintenu son incantation et sa volonté inflexible et tout ce qui préserve le monde du néant. La litanie perpétuelle et rauque qui s'échappe de ses lèvres torturées jamais ne faiblit, mais le poids de ses épaules courbées semble s'alléger et une unique larme de gratitude coule pour hydrater la poussière aride à ses pieds. Voilà, c'est beau. Et donc du coup, on a accompli le rituel du voyageur. On a encore un boost d'ordre public. On n'en avait pas assez. Et on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Donc prochain épisode. Donc bon, déjà pour résumer cet épisode rapidement, on a repoussé le chaos. On a fini notre rituel. On a construit notre bâtiment pour les maîtres épéistes ici. On a notre armée qui commence à ressembler à quelque chose ici. On va lui rajouter les maîtres épéistes, du coup on va enlever sûrement des gardes maritimes, on va voir. Ou alors peut-être des lions blancs, je sais pas. Ou même les dryades en fait, on va enlever les dryades. Voilà, on va aussi booster un peu la daube éternelle, ça c'est le but à court terme. Moyen terme, hôtel de Kain, ben ça niveau 2 sera à 10 tours. On attend d'être stabilisé un peu sur cette province, d'avoir Alariel par ici au cas où. Et puis après, ben, comme vous le savez, on va pas tarder à débarquer ici. Hein. Attila Nar a besoin d'aide. Il est en guerre contre toutes les factions elfes noirs.
Et on va espérer toujours, toujours, avec cet espoir de confédérer Illyrion le plus vite possible. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je vous dis du coup à bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play.